Salut les filles, aujourd'hui je vais vous parler de ma routine du matin et du soir pour avoir une peau beaucoup plus clean. Peut-être que certaines d'entre vous ont des problèmes comme moi lors des règles ou bien dès qu'il y a un élan de stress, quelques boutons vont apparaître au niveau du front, des joues. J'ai testé pour vous la gamme de Salima qui vient tout droit du Canada. Dans la pochette, vous y trouverez différents produits. Donc vous avez un purifiant à utiliser lorsque vous vous démaquillez le visage ou bien le matin quand vous êtes toute fraîche. Ça permet de détruire les cellules mortes tout en évitant d'avoir la peau sèche. Et ça, c'est très important. Lors du rinçage, vous pouvez utiliser la brosse ici présente. Voilà. Je vous fais une petite démo. Donc pour le purifiant, il faut bien masser avec la petite brosse pendant une minute, ok, et ensuite vous rincez à l'eau chaude. Deuxième étape, la solution purifiante, la purification. Qui connaît ça, la purification, la purification? Non, bon, alors il faut utiliser ça avec un coton, délicatement. Je vous le fais, je vous fais la démo ou ça va? La solution purifiante permet d'éclaircir votre visage. Donc c'est aussi à la fin un décongestionnant. Décongestionnant. Ça permet de décongestionner pour celles comme moi qui ont des cernes. Okay? Troisième étape. Troisième étape. La crème revitalisante. Et ouais, revitalisante. Là, tu te sens de suite plus fraîche, plus jeune. J'ai l'impression d'avoir 20 ans. Donc 5 ans de moins, parfait. Ça permet de régénérer votre peau, les cellules, etc. Et ça n'hérite pas la peau. On passe à la crème contrôle de l'huile. Et oui, parce que les peaux grasses en général sécrètent beaucoup plus de sébum que les peaux sensibles ou les peaux sèches. Donc c'est à utiliser deux fois par jour, le matin et le soir. Ensuite, vous avez un exfoliant et un masque à utiliser une fois par semaine seulement, qui sont dans des petites boîtes comme ça. Pour le gel exfoliant, on prend une petite moinette, on applique sur l'ensemble du visage, on utilise la petite machine, ok, masser pendant une minute. Ensuite, vous attendez 2-3 minutes, l'air libre comme ça, ok, libre, pas libre, ok. Et ensuite, on remasse, et on lave à l'eau claire. Ensuite, vous avez le masque revitalisant à utiliser, donc, comme je vous ai dit, une fois par semaine. En une fine couche et on la laisse pendant 15 à 20 minutes. Mais plus vous le laissez, mieux ce sera. Ensuite, il faut juste nettoyer avec une serviette humide, chaude, que vous aurez préalablement jetée dans la baignoire, jetée dans la baignoire, jetée dans la baignoire et bien chauffée à l'eau chaude. Si vous voulez acheter la brosse à soin du visage ainsi que tous les produits dont je vous ai parlé, vous avez les informations, les liens, etc. juste en bas dans la bio. J'espère que la vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à commenter, à me poker. Me poker ? Non mais ça se fait poker. À me poster des commentaires, des questions, je ferai en sorte d'y répondre. Et puis que dire ? Bah voilà. À très vite, ciao.